Deuxième sortie, ce dimanche 30 janvier pour le ski club des Scouts, a réuni près de 400 skieurs. Ces derniers ont littéralement envahi les pistes de Combloux, où les températures glaciales n'ont pourtant pas découragé ni les formateurs, ni les élèves, qui trouvent sans problème le moyen de se réchauffer en attendant que le soleil pointe ses rayons en fin de matinée. L'école de ski amène progressivement environ 200 enfants jusqu'à la Fléchette. Et si la formule cours le matin et loisirs l'après-midi séduit tant de monde, il faut saluer aussi l'engagement des 40 moniteurs investis dans l'association. Skieurs, surfeurs et télémarqueurs y trouvent leur compte. Et ce jour-là, en plus du vin chaud habituel, il y a eu le tirage des rois car ils ont dégusté la traditionnelle galette. Un détail de plus qui démontre encore une fois que le ski club joue complètement la carte de la convivialité. Après le De retour du Sri Lanka, l'entraîne internationale des scouts de la région de Cluses a présenté devant plus de 200 personnes un film sur leur première mission d'aide au peuple sri lankais de la région de Gaulle au sud du pays. Je n'y comprends rien. Il y avait une ville. Et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais. Que je marchais dans une rue. Je suis très content ce soir, il y avait beaucoup de monde, ils ont bien suivi et on a pu s'exprimer de tout ce qu'on a pu faire pendant ces 16 jours. Mais surtout, on a bien fait comprendre que la première phase est peut-être terminée, mais maintenant, j'ai dit, c'est l'armada des scouts qui va continuer par bateau. On a vu les besoins, on a le matériel, eh bien, on arrivera à aider ce peuple comme on a aidé. Dans les Balkans, c'était Sarajevo, on continue à l'aider. Que ce soit au Liban, on les continue à l'aider. Que ce soit au Rwanda, on continue à l'aider. Donc, Sri Lanka, on a mis les pieds. Eh bien, vous pouvez compter sur nous, avec vous. Ne pliez pas qu'on pourra faire des gros envois et ce peuple sera aidé. C'est un peuple qui est courageux, qui ne plie pas. On a pas vu pleurer une personne pendant ces 16 jours. On a eu dans d'autres endroits, c'était des lamentations, pas de lamentations. Le travail est dire on garde l'avenir. Et je dis de tout mon cœur, mille fois merci à la Savoie, à la Haute-Savoie et à l'Ain. Pour cette première intervention de l'entraide au Sri Lanka, ce sont 12 tonnes qui ont été affrétées par avion et distribuées par l'équipe des scouts de la région de Cluses, composée de Pierre Devant, Gérard Guimet et Sani, Sri Lankais lui-même, ce qui a facilité la compréhension et la communication avec les différents interlocuteurs sur place. Eh bien, on a été aussi bien dans les camps bouddhistes, vous voyez, et dans les camps catholiques. Eh bien, on a vu que ceux qui s'occupaient de ces gens-là, ils avaient la foi et ils faisaient tous, et je vous répète encore une fois, au fond, tous ces gens vont encore sourire après ce qu'ils ont subi. Alors, je répète encore une fois, il ne faut pas les lâcher. Et comme toutes les semaines, je vous propose de nous séparer en musique avec un extrait d'un...